Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre radio Polémique Allemand Votre pour une nouvelle émission avec une nouvelle animatrice cette fois-ci, l'émission Panafricain. Panafricain où nous revisitons, nous redécouvrons les grands hommes, les grands monuments qui ont fait l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'animatrice de cette émission qui nous fait l'honneur deux fois par mois de venir nous parler, de nous dresser le portrait d'un de ces hommes et de ces femmes, Mademoiselle Diane Boula. Bienvenue, Diane. Bonsoir à tous, merci Delali de m'avoir invité. Et je rappelle aussi que je suis membre du groupe Polémiquement Vôtre. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un grand leader et digne fils d'Afrique qui s'appelle Thomas Sankara. Ouais. Nous parlerons de sa vie, nous parlerons de ses œuvres, de ce qu'elles nous ont inspiré et des perspectives. D'accord, merci beaucoup. Et il y a le je ne sais même pas comment le présenter, tellement il fait des choses sur ce Le groupe. fameux. Je vais vous donner le fameux, je vais vous donner ses initiales. RCML, c'est son nom de code, Monsieur Roger Komlavi Maulolo Las, qui fait enfin sa rentrée sur la radio polémique allemande. Roger, comment vas-tu, cher ami? Je vais bien. On espère que cette rentrée ne sera pas Une la sortie. première et la dernière. J'espère aussi. Sois le bienvenu. Installe-toi. Je Déjà sais que tu es calé. un passionné d'Afrique aussi. Et n'hésite pas à rajouter un petit peu de ton savoir au cours de l'émission. Il n'y a aucun souci, tu es à la maison de toute façon. Voilà. Diane, je te redonne la parole. D'accord. Et puis nous sommes tout ouïes. Oui, vas-y, je t'ai coupé. Nous sommes tout ouïes. Nous Ok. t'écoutons. Ok, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Thomas Sankara. L'ordre du jour de l'émission va se dérouler comme suit. Nous aurons en première partie la bibliographie. Ensuite, nous aurons sa vision d'une Afrique prospère. Nous parlerons en troisième partie du sankarisme, un modèle applicable. Est-ce que c'est un modèle applicable aujourd'hui? Et enfin, en quatrième, dernière partie, nous aurons une brèche vers tous les autres grands révolutionnaires qui ont marqué l'histoire africaine. Alors, en première partie, nous allons commencer par la bibliographie. Donc, une bibliographie que j'ai tirée de Wikipédia et certains sites internet que je vais commenter. Alors, Thomas Sankara, c'est qui Thomas Sankara? C'était un Peul Moussi. Les Peuls et les Moussi, c'est une ethnie du Burkina Faso qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Et contrairement à ce qu'on pouvait croire, il est issu d'une famille catholique. Parce qu'on a toujours l'impression qu'au Burkina Faso, tout le monde est musulman. Il C'est y en a vrai aussi des ça. catholiques. Voilà. Alors son père, c'était un ancien combattant et un prisonnier de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Thomas Sankara donc a fait ses études secondaires au lycée de Ouédzin Koulibaly, qui se trouve à Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième ville du pays, donc proche de Ouagadougou. À Ouagadougou, il a eu son bac et il a travaillé au PKM, qui est le Prytanée militaire du Kadiogo. Alors, il a suivi donc une formation d'officier à l'Académie militaire d'Antsirabe, à Madagascar. Et en 1976, il devient donc le commandant du Centre national d'entraînement commando, qui se situe à Pau, toujours à Madagascar, à 150 km de la capitale, Antananarivo. Alors, la même année, il se lie d'amitié avec Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, qui est l'actuel président du Burkina Faso. Ils se sont donc liés d'amitié. Donc, il le considérait comme son frère. Hein. Il considérait Blaise Compaoré comme son frère et qui était toujours à côté de lui, Blaise. Donc, ils se sont donc rencontrés dans lors d'un stage au Maroc. Donc, ensemble, donc, ils ont fondé le regroupement des officiers communistes, ou ROC, Avec Blaise Compaoré, avec Blaise Compaoré, son qui ami. était toujours D'accord. avec lui. Hein. OK.
Donc, en septembre 1981, il devient donc le secrétaire d'État à la forme, à l'information dans le gouvernement du colonel Saïd Zerbo. Et il démissionne de ce gouvernement en 82 en déclarant que il ne peut pas être, en ces mots, pardon, il ne peut pas être avec ceux qui font le malheur ou ceux qui bâillonnent le peuple. Donc, ces premières sorties révolutionnaires viennent donc de cette période de 1981 où il affirme clairement qu'il ne veut pas travailler avec ceux qui bâillonnent le peuple. Sankara donc devint premier ministre en 1983, mais il fut limogé et mis aux arrêts le 17 mai, après une visite de Guy Penn, qui est le conseiller de François Mitterrand. Donc nous rappelons que beaucoup de personnes qui ont voulu élever la voix et se dresser contre les impérialistes ont fait plusieurs tours en prison et ont été pourchassés par l'ancienne colonie qui dirigeait les peuples respectifs dont ils étaient issus. Donc on a eu donc un nouveau coup d'État dans le 4 août 1983 qui a donc placé Thomas Sankara à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Alors, arrivé au pouvoir, il a défini son programme comme un programme anti-impérialiste. Donc c'est un grand panafricaniste qui a refusé la main basse de l'ancienne colonie sur son peuple. Alors, il révèle donc son anti-impérialisme dans son discours d'orientation politique. Et dans son gouvernement, il a retiré la toute-puissance qu'avaient les pouvoirs féodaux des chefs traditionnels. Donc, parce qu'au Burkina Faso, les chefs traditionnels avaient beaucoup de pouvoir. Donc, quand il est arrivé, il leur a retiré tout ce pouvoir, ce qui fait que il a eu beaucoup de problèmes dans toute sa carrière face à ces chefs traditionnels qui n'acceptaient pas que leur plein pouvoir leur soit retiré. Se retirer, bien sûr. Donc, il se créait déjà des ennemis à cette époque, si j'ai bien compris. Effectivement. OK. Alors, il a créé donc un comité, il a créé le CDR, qui est un comité de défense de la révolution. Donc, avec Thomas Sankara, on entend beaucoup, même dans son discours, le mot révolution. Oui. Donc, ce comité, donc, c'est peut-être là où ça a un peu péché, parce que ce comité avait tendance à se comporter en milice révolutionnaire et qui faisait parfois régner un climat de terreur. Ce qui n'était pas conforme aux objectifs de Thomas Sankara. Alors, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara fut assassiné lors d'un coup d'État. Certains disent que ce coup d'État a été organisé par celui qui était considéré comme son frère, le président Blaise Compaoré. Mais plusieurs jours plus tard, le coup d'État a été déclaré, Thomas Sankara a été déclaré comme mort accidentellement par un médecin militaire. Et rappelons qu'avec toutes les pressions de devoir de mémoire qu'a eu Thomas Sankara contre cette affaire, parce qu'il y a beaucoup de sankaristes, comme on les appelle, les adeptes au mouvement de Thomas Sankara, qui ont demandé qu'une enquête soit menée sur ce meurtre, sur cet assassinat. Et la France a demandé qu'une enquête soit ouverte pour déclarer les pour enquête pour donner la vraie raison. S'il y en a de l'assassinat ou bien de la mort accidentelle de Thomas Sankara. Donc, Et ils n'ont. Oui, vas-y. donc jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissaient pas, il est mort. Quelles sont les circonstances officielles de sa mort et quelles sont les circonstances, on va dire, officieuses de sa mort? Que dit la rumeur? Je ne sais pas si Roger a quelque chose à ajouter parce que là, quand même, c'est pas entre un coup d'État, entre un coup d'État, une mort suite à un coup d'État et une mort suite à un accident, il y a un monde. Bon, tu me diras, il y en a pas mal qui sont passés par là, mais Notre ami veut répondre, ou bien Roger? oui, ben, officiellement, on déclare juste qu'il y a eu coup d'État. Maintenant, qui a tiré sur qui? Personne ne le sait jusqu'à aujourd'hui.
Tout ce que ma mémoire me rappelle, c'est juste qu'il était en tenue de sport, si mes souvenirs sont bons. C'est l'image qu'à l'époque, Jeune Afrique nous avait montrée en dessin, caricaturé, puisqu'il n'y avait pas de photo. Et par la suite, c'est un flou total. Un flou total. Bon, la rumeur dit que c'est son ami et frère qui était à l'origine de cela. Personne ne le sait. Mais il faut quand même rappeler que quand il était premier ministre, il a été emprisonné en cette même année 83 et c'est son ami Blaise Compaoré qui l'a sorti de prison avant qu'il ne devienne président lui-même, Thomas Sankara. Oui. Voilà. Donc, et c'est cette même année, je pense que son côté révolutionnaire s'est encore accentué quand il a rencontré Fidel Castro et Samora Machel, paix à son âme, qui est l'ancien mari de la nouvelle femme de Nelson Mandela. Et puis bon, maintenant sur la mort, vraiment c'est un flou total. Les Burkinabés même, j'en connais certains, ils n'ont pu voir que ça tombe. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais la vérité n'est jamais apparue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous allez être étonné parce que moi, je pensais que la théorie du coup d'État était la version officielle. Parce que moi, en dehors de ce qu'on a pu lire, ce dont je me souviens, c'est qu'au moment où cette chose, où cet événement s'est passé, on était sur le retour. En terre africaine, et on devait aller au Burkina Faso, mais justement, nous n'y sommes pas allés à cause de ce qui s'était passé, justement, à cause de la mort de Thomas Sankara et du changement de régime. Et moi, dans ma petite tête, la version du coup d'État n'avait jamais été démentie. Je ne savais pas qu'on était encore dans les secrets de Polichinelle, quoi. Oui, parce que je pense que c'est un peu la plupart, un peu le cas général dans tous les pays africains. Pour l'instant, Blaise Compaoré est président et je pense que tant qu'il sera président, on ne pourra jamais vraiment avoir la lumière sur ce qui s'est effectivement passé. Oui, donc à mon avis, je pense que c'est un peu pourquoi même l'enquête qui a été demandée n'a jamais abouti. L'enquête qui a été D'accord. demandée suite à ce voilà, cette mort n'a jamais abouti. Oui. Ok, Donc, je peux poser, je suis, oui. j'aime bien qu'on me parle d'histoire. Je vais vous embêter, j'ai posé des questions. Ceux qui ont Oui. connu Mais est-ce le... que Oui. vous permettez que je vous lise quand même quelque chose concernant cette mort-là Oui, vas-y. sur un Oui. site que ses camarades lui ont dédié? Ça dit, jeudi 15 octobre 1987, il est 16 h. Des armes crépitent au Conseil de l'Entente, l'état-major du Conseil national de la Révolution à Ouagadougou, tout près des ministères de la présidence. Un groupe de soldats paracommando vient de débarquer avec à l'évidence pour mission de liquider tout le monde. Dans la cour, tous les gardes sont abattus. Dans un bureau, le capitaine Thomas Sankara, alors en réunion avec des conseillers, lance à son entourage, restez là, c'est moi qui dois. Le président en tenue de sport se précipite dehors, les mains en l'air, mais il est immédiatement fauché à l'arme automatique. Aucun de ses gardes ni conseillers ne sera épargné. En tout, une quinzaine de personnes sont abattues. Ils seront tous enterrés à la hâte la même nuit au cimetière de Danioune, un quartier de l'est de Ouagadougou. Dans toute la zone de la présidence, militaire et civil courent dans tous les sens. Les Burkinabés qui sont au bureau ou à la maison se précipitent vers leur poste transistor. Et sur la radio nationale, les programmes sont alors suspendus et on ne diffuse que de la musique militaire. Un communiqué lu à la radio par un officier annonce notamment la démission du président du Faso, la dissolution du Conseil national de la Révolution, et proclame la création d'un front populaire dirigé par le capitaine Blaise Compaoré, jusque-là numéro 2 du régime révolutionnaire. La confusion est alors totale. Voilà. Oui. C'est tiré du site thomasankara.net. Oui. Donc un site acquis à sa cause. Les détracteurs diront
Enfin, c'est la version de, comment on dit ça? C'est la version de l'accusation, c'est ça? C'est ça. Mais bon, ils n'ont cité aucun auteur, justement. Oui, mais en même temps, nous ne sommes pas dupes. Chacun verra et chacun tirera ses conclusions. Diane, on te laisse poursuivre. Oui, le frère a parlé tout à l'heure du cimetière de Dagnoin, là. Donc, Oui. il semble que Thomas Sankara était enterré sans tombeau, donc avec certains de ses camarades qui ont été tués lors du coup d'État. Et le 28 décembre 2005, donc une avenue portant son nom à Ouagadougou a été créée. Et sa veuve Myriam Sem Sankara a pu aller se recueillir sur la tombe présumée de son mari lors des 20e commémorations à Ouagadougou. Voilà ce qui était en fait la bibliographie de Thomas Sankara. Donc, en un mot, si on peut résumer Thomas Sankara, on dira que c'est un homme politique, un anti-impérialiste, un panafricaniste. Panafricaniste, un peu, c'est un mot de nos jours qui est très, on va dire, se revendiquer panafricaniste n'est pas bon à entendre pour certains. Parce que les panafricanistes sont ceux qui ont pu dire, comme Thomas Sankara, non, ne plus se soumettre et avoir une vision commune et une vision, on va dire, permettre au continent africain d'évoluer et d'exploiter ses propres richesses et son propre potentiel. De Alors, s'unir aussi. Je pense que le discours de l'unité africaine, peut-être que ça dérangeait aussi un petit peu, non? Parce que le... Oui, bien sûr. Comme Kwame Nkrumah qui est le père des États-Unis d'Afrique. Donc, la plupart de ces grands panafricanistes qu'on va revoir à la fin sont dans la tombe. Et le panafricanisme est apparenté aux États-Unis parce qu'il y a eu le même mouvement aux États-Unis, on ne s'en rendait pas compte. Aux États-Unis, ils appellent afrocentrisme. Oui, les afrocentriques. Qui ont été aussi conspirés aux États-Unis, beaucoup conspirés aux États-Unis. Donc, les gens se cachaient, ils étaient afrocentristes, mais ils se cachaient. Voilà. Donc, Thomas Sankara donc, est né donc, en 1949, donc, à Yako, en Haute-Volta. Haute-Volta, qui était l'ancien nom que portait le Burkina Faso. Donc, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a changé ce nom. Il a changé ce nom parce qu'il qualifiait ce nom de venir. C'était le nom que les colons avaient donné au Burkina. Et il disait que ce nom n'avait rien à voir avec un truc africain, un nom africain. Donc il a préféré baptiser son pays Burkina Faso. Burkina Faso qui est donc le pays des hommes intègres. C'est ce que ça veut dire dans leur langue. Donc il a été donc assassiné le 15 octobre 1987. Donc il a donc incarné et dirigé la révolution burkinabé, donc du 4 août 1983 jusqu'à son assassinat. Et qu'est-ce que j'aimerais dire encore? Et donc il a changé le nom de la Haute-Volta en Burkina Faso. Et son gouvernement a entrepris des réformes majeures pour combattre beaucoup de maux qu'on remarque en Afrique et qui nous empêche d'évoluer. À savoir, le premier volet de sa bataille était une réforme contre la corruption. On se rend compte que maintenant, beaucoup de pays en Afrique n'arrivent pas à décoller à cause de la corruption. Donc, arrivé au pouvoir, Thomas Sankara, que je qualifie de visionnaire, a, voilà, fait une réforme pour contrer et attaquer tous ceux qui osaient être corrompu ou bien être corrupteur. Thomas Sankara, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, le deuxième volet de ses bienfaits, c'était améliorer l'éducation. Parce qu'on se rend compte que Burkina Faso, c'est ce qu'il disait, il y avait beaucoup d'analphabètes. Alors, la base d'un peuple, c'est son éducation. Si on est un peuple éduqué, on va très peu voir ce qui se passe en Afrique, des gens qui vont assassiner des autres, voilà, parce qu'ils ne sont pas éduqués. Donc, il avait très tôt compris cela, c'est pour ça que je dis qu'il est un visionnaire, en améliorant l'éducation de son pays. Il a aussi fait une réforme agraire. On dit qu'en 4 ans, le Burkina Faso a pu être
avoir l'autosuffisance alimentaire. Burkina Faso, rappelons, j'aimerais bien le rappeler ce soir, Burkina Faso souffrait de la désertification qui s'approchait dangereusement. Il était très difficile de faire pousser quelque chose dans ce pays. Alors, Thomas Sankara a réussi en 4 ans, ce qui était tout à fait remarquable à l'époque, à remettre son pays sur les rails et à faire un programme agraire. Donc, parce qu'on se rend compte qu'en Afrique, le problème de l'Africain, c'est la planification. La Tunisie, avant ce qui s'est passé dernièrement, là, les moult secousses avaient fait ce qu'on appelle un plan prévisionnel agraire de 10 ans. En 10 ans, donc, ils ont fait une planification, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. On voit ici dans les pays industrialisés comment les gens planifient, ils se disent que bon, maintenant, s'il y a un problème sur la terre, il y a des grottes, il y a des ci, il y a des ça. Donc, on se rend compte que chez nous, en Afrique, nous sommes le seul continent où on ne planifie rien. Alors, Thomas Sankara, donc, en 1980, commençait donc à penser, à planifier. Grande autre révolution de Thomas Sankara, c'est le statut des femmes. En 1980, Thomas Sankara pensait à améliorer le statut de la femme africaine. Il avait même créé un jour spécial qu'on va voir plus tard dans le discours, un jour spécial qui s'appelait le mercredi des femmes. Le mercredi des femmes. Durant ce jour, les hommes devaient, voilà, s'atteler aux tâches que faisaient les femmes, à savoir aller au marché, faire à manger, voilà. Et la journée internationale de la femme était marquée justement par le fait que les hommes devaient, voilà, prendre en charge la famille pendant cette journée. Donc, J'aime bien rappelons, cette partie-là. voilà, on est en 1900, vraiment, ce monsieur, on est en 1980. On se rend compte que les débats aujourd'hui, les débats féministes commencent à apparaître après les années 2000. Mais ce monsieur, en 1980, dans un contexte où, au Burkina Faso, c'est une société qui est très calquée sur les traditions ancestrales, Bien sûr. où la femme avait un certain statut, il arrive et il dit non, je décide, la femme c'est un être humain, je décide, il parlait d'égalité hein, en 1980 et du respect de la femme. Donc, juste pour dire que voilà, c'est juste pour voilà, pour dire que Thomas Sankara a été l'une des personnes qui voyait le bien de notre Afrique. Donc Yann, voilà. Yann, Oui, on oui. t'écoute. Est-ce qu'on reviendra sur cette partie liée à la femme ou bien on n'aura pas assez de temps? Si, si, dans la suite, on aura voilà. Quand on parlera de sa vision d'une Afrique prospère, on verra une petite partie. On pourra revenir dessus. Et il y a une grande partie de sa politique, le point 1, que tu n'as pas cité et qu'il disait clairement, c'était s'affranchir de la tutelle de la France. Comment sortir Ah. d'une misère asservissante. Oui, C'était d'accord. ça, avant même de lutter contre la corruption des dirigeants. Et au-delà, la réduction du train de vie des dirigeants. Lui-même Oui. roulait en Renault 5 à l'époque. Renault 5, oui, ça Donc c'est vrai. voilà, mes collègues burkinabè me l'ont dit. Il le répète assez souvent, ça. Voilà. Voilà. Mais quand même, il y a une des mesures que les gens n'ont pas aimées. C'était quand il a voulu diminuer le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique. Oui. Ça, par contre, les gens n'ont pas aimé ça, ils l'ont fait savoir. Mais toutes les autres mesures qu'il a prises, le peuple était d'accord. Voilà, Oui. c'était juste la précision. OK. Ah, merci Merci. beaucoup. Donc, voilà. Moi, bon, comme on va revenir, hein, puisqu'on va revenir plus en détail sur, comme tu m'as dit dans le programme, je vais réserver mes questions pour la suite, parce que c'est vrai que j'ai hâte d'en savoir un peu plus, notamment sur toute la partie qui concerne, comme tu disais, la réforme agraire et la nécessité de l'autosuffisance alimentaire. Oui. La partie, je suis curieuse de savoir ce que Roger va nous dire sur la partie concernant les femmes. Et j'aime bien le taquiner. Et puis, oui, voir à peu près,
voir à peu près en fait quelle était sa vision en fait pour reconstruire son pays, parce que je pense qu'il avait quand même bien, même si les détracteurs ont toujours trouvé, il y a des critiques parce que nul n'est parfait, je pense qu'il avait quand même trouvé des pistes intéressantes à exploiter. Donc moi j'attends quand même la deuxième partie. Ok, d'accord. La première partie, donc, c'était la biographie. Donc, la deuxième partie, on va parler de sa vision d'une Afrique prospère. Donc, avant de commencer à développer ce point, nous allons rappeler les quatre thèmes fondamentaux de sa révolution lorsqu'il est arrivé au pouvoir au Burkina Faso. Alors, le premier point, c'était donc la réforme pour combattre la corruption. Le deuxième point, c'était la réforme pour améliorer l'éducation. Le troisième point est la réforme sur l'agriculture et enfin le statut des femmes. Alors, dès son arrivée au pouvoir, Sankara et ses camarades donc ont initié de façon concurrente plusieurs projets qui allaient donc transformer qualitativement les conditions d'existence des populations burkinabées. Alors, avec l'aide du Cuba, donc le frère Roger a parlé de ça, donc avec son amitié avec Fidel Castro avant. Avec l'aide du Cuba, donc on a eu 2,5 millions d'enfants qui ont été immunisés contre les maladies infectieuses qui avaient l'habitude de faire des ravages chez les enfants en bas âge. Donc, on voit ce que Sankara a fait. Aussi, on a parlé de la réforme de l'éducation, donc le taux d'accès à l'éducation qui est passé de 12 à 22% en l'espace de 3 ans. Voilà. Donc, il a pu former des professeurs pour partager leurs connaissances avec le peuple. Ensuite, en même temps, une lutte acharnée a été menée pour contrer l'avancée du désert, comme je l'ai si bien comme je l'ai dit plus haut. Le Burkina Faso, qui est quand même frontalier au Niger, donc il y a un gros désert qui mangeait l'espace qui arrivait vers le Burkina, et il a donc planté 10 millions d'arbres pour stopper l'avancement du désert. Donc l'événement qui a le plus marqué les consciences et qui a contribué à un changement des mentalités des populations jusqu'ici était marqué par un ensemble de croyances, donc était issu d'un système féodal et archaïque. Donc, il a créé donc un événement qui s'appelait le mercredi de la femme. Donc, pendant ce mercredi de la femme, les hommes devaient s'acquitter de toutes les tâches domestiques et se familiariser aux dures conditions dans lesquelles les femmes se débattaient tous les jours pour assurer le maintien de la famille. Il nous faut Sankara au Togo, c'est pas possible. Je te jure. Moi, Mais au Togo, quand quand j'ai même, les écouté femmes ça, mais quand j'ai écouté ça, je voulais sauter jouissent dans de la leurs télé. droits. Hein. Non, mais quand Et les j'ai femmes écouté. jouissent de leurs droits. Hein. Ah oui. Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur, nous avons entendu. Oui, tant vaut la femme, tant vaut la nation. Ah, oh, c'est bien dit. Ah, Éduquer un wow. homme, c'est éduquer une personne, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une population. Oui, Ça, mais c'est une. Roger, là, ce sont des belles citations. On a dit que On les a bien appliquées. le monsieur ne disait pas de dire des citations pour la journée de la femme. Le monsieur demandait aux hommes de se charger de toutes ces tâches, tu sais, qui sont tellement agréables, juste C'est pour ça. savoir ce que c'était que une vie Voilà de comment femme c'est. sur 24 heures. Et le Burkina fait partie, hein, jusqu'à aujourd'hui, des rares pays Oui. qui ont la journée de la femme fériée. Oui, Et c'est une véritable fête là-bas. c'est vrai. Même leurs communautés qui sont hors du Burkina, il suffit juste de voir la manière dont leurs ambassades ou leurs consulats s'occupent de cette fête en particulier. C'est quelque Oui. chose qui m'a toujours marqué parce que j'ai toujours été invité à cela. C'est ça. Donc il a su quand même insuffler, en tout cas, une bonne dynamique dans ce sens-là. Et comme il y avait aussi beaucoup de musulmans, il avait même réglementé la polygamie. Ah, Maintenant, je ne sais pas exactement le nombre maximum de femmes auxquelles un homme avait droit. tu as droit jusqu'à Bon, je ne quatre sais pas s'il femmes. s'est basé sur l'islam ou bien Hein? s'il a refait autre chose. Oui. Mais les trois principales mesures, en tout cas, qu'il a prises pour la. Lui-même, il a dit libération de la femme. Oui. Il a fait interdire l'excision. Oui. Il a Oui. réglementé la polygamie. Oui. Et c'est
depuis son temps que les femmes burkinabè participent à la vie politique du pays. Avant, ce n'était pas possible. Et on était dans les années 80. On était Dans dans les les années années 80. 80, voilà. Oui. C'est important à savoir pour ceux qui Devions nous donnent les être leçons jardin aujourd'hui. d'enfants. Pardon? Nous devions être au jardin d'enfants à l'époque. Oui, heureusement qu'on a, on a les livres, les sites internet et tout ça qui nous disent. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Là, j'ai juste une série de listes qui va rien me dire de plus que ce que Diana très si bien dit tout à l'heure. Mais quand on prend un résumé des points essentiels de la politique de Thomas Sankara, on est quand même s'affranchir de la tutelle de la France et sortir d'une misère asservissante. On va me dire que ça, on ne le trouve pas dans les programmes de ceux qui nous donnent des leçons aujourd'hui sur comment gouverner un pays et comment l'emmener à la prospérité. Mais aujourd'hui, on avait déjà lutté contre la corruption qui était l'un de ses points principaux. On a bon, je vais passer le changement du nom du pays parce que bon, ça c'est par rapport à ce qu'il pense et je pense que c'est bien parce qu'un peuple a besoin d'être en connexion avec son histoire. On a besoin d'avoir des noms qui veulent dire quelque chose. La Haute-Volta, en haut de la Volta, ça veut rien dire. Le pays des hommes intègres, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Maintenant, moi, en 80, il y a un homme qui se lève en Afrique et qui comprend que le développement d'un pays ne passe pas par les du sang, l'éducation et la santé. Il y a un homme qui se lève et qui se rend compte que il faut consommer des produits locaux. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui d'un modèle chinois en Afrique. On dit que oui, ce sont les Chinois, c'est le modèle chinois. Mais en fait, ce n'est pas le modèle chinois puisque Sankara, il y avait des Africains, et ce n'est pas le seul, qui avait déjà été visionnaire et qui avait déjà prôné ces choses-là. Et c'est important que les générations futures le sachent. Parce que tu imagines, je ne sais pas comment c'est, mais moi, je parle avec les gens et souvent on me dit, oui, regardez la Chine, comment elle fait, elle consomme ses produits, etc. Et on essaie de sous-entendre que nous n'avions pas cette intelligence avant au niveau de l'Afrique, alors que c'est faux, elle existait. Il a demandé à ce qu'on consomme locaux. Je me rappelle de ces histoires où il disait de faire les d'utiliser le lin, le lin du Burkina Faso. Franchement, lutte contre corruption, procès retransmis. Moi, je suis bluffée. Campagne massive de vaccination, la construction d'écoles et d'hôpitaux, Oui. campagne de reboisement. Ça Oui. ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, il paraît même qu'au Burkina Faso, certains sont en train de remettre au goût du jour ces méthodes. Résultat, le Burkina, un pays sahélien, exporte de la tomate. Voilà. Wow. Une réforme agraire, redistribution des terres aux paysans, augmentation des prix, suppression des impôts agricoles. Tu m'étonnes qu'il n'avait pas besoin de toute cette partie financement, mais ça, tu en parleras. Je suppose que tu vas en parler après. La libération de la femme, les aides au logement. Moi, je suis fan de ce programme-là. Ouais. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis fan de ce programme-là. Moi aussi. On Moi devrait aussi. demander aux gens, à la limite, de faire de prendre, quoi. Parce que les gens ont pensé la chose avant, et nous, Oui. on passe notre temps à chercher à aller par quatre chemins, alors que le truc est écrit noir sur blanc. Effectivement. OK. C'était mon grain de sel. Je suis fan. Je te laisse continuer. J'espère que c'est du sel iodé. Oui. Du sel iodé. Je te laisse continuer. Alors, cette expérience donc de 4 ans de la révolution burkinabé a cependant réussi à réaliser ce qu'aucune dictature ne peut éradiquer, même jusqu'à aujourd'hui, à savoir rendre au peuple burkinabé sa dignité perdue depuis des siècles d'humiliation et d'exploitation par le colonialisme. Parce que tu l'as cité très on a, tu en as parlé on a, du textile. Alors, Thomas Sankara
demandait aux populations de porter des vêtements africains, de porter des jolis costumes ou bien des chemises qu'on porte maintenant. Parce que j'aimerais dire un truc, c'est que nous, les Africains, nous ne nous en rendons pas compte. Mais il y a des idées qui ont été véhiculées sans qu'on ne s'en rende compte pour nous faire, on va dire, être, nous penser qu'on est inférieur, indirectement. Bien On ne sûr. se valorise pas, nous, les Africains. Pourquoi je le dis? C'est juste une parenthèse. Je travaille avec des Afro-Américains qui ont décidé de retracer leurs origines africaines via des tests ADN. Donc, ils ont fait des tests ADN. Il y a beaucoup qui viennent du Togo, du Bénin, du Cameroun, de beaucoup de pays d'Afrique. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi je dis qu'on ne se valorise pas? Une fois, on discutait avec eux et nous, on disait esclavage. On disait esclave. Tu dis esclave ou tu dis esclavage aux États-Unis, c'est très mal vu. C'est un mot qu'il ne faut pas prononcer. Parce qu'ils disent, ces Noirs américains disent que c'est une manière de nous dévaloriser. On ne s'en rend pas compte. Nos livres d'histoire n'ont pas été écrits par nous et on disait la traite négrière, l'esclavage. C'est une façon pour nous de se dévaloriser. L'expérience a été faite dans une classe d'enfants. Donc, il y a une classe d'enfants, on prend des enfants de 10-12 ans, des petits, on leur demande donc de parler de ce qu'ils ont appris, des enfants africains, Bien sûr. par rapport à cette période et tout. Les enfants n'arrêtent pas de dire esclave, master, pour dire, comment on va dire, le maître, le nègre, le machin, voilà des mots comme ça. Et aujourd'hui, ils décident donc, avec le concours des Africains, de réécrire l'histoire, de nous valoriser. Donc, quand on refuse de porter nos vêtements de chez nous en disant qu'on a honte parce qu'on est en Europe ou bien je ne sais pas quoi, c'est une façon, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une façon de se dévaloriser. Alors, Sankara arrive là, il veut donc remettre son peuple, lui donner une certaine dignité qu'elle a perdue avant l'indépendance. Voyez ce type. Deuxième point, l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, dont le régime se targue jusqu'à présent, n'est rien d'autre que le fruit récolté après ces 4 années qui a duré la révolution sankariste. Après avoir construit le pays, il a construit beaucoup de digues de rétention d'eau pour permettre aux populations rurales de pratiquer plusieurs formes de plusieurs cultures pendant l'année, et ce qui a permis d'accroître aussi leurs sources de revenus. Donc, il a construit des digues et tout. Alors, Ouagadougou fut également complété et transformé avec la construction de la Cité des Révolutions, donc beaucoup de mots révolution. Et il a assaini des quartiers populaires, donc des quartiers qu'on qualifiait des ghettos. Il est assaini. Alors, sur le fond culturel, ce qui est aussi important, on a eu l'émergence des théâtres populaires et du cinéma. Alors, je ne sais pas si beaucoup le savent. Moi, j'ai entendu beaucoup de réalisateurs africains parler de la ville de Ouagadougou. Il paraît qu'à Ouagadougou, je ne suis jamais allée. Hein. Non, Il paraît que effectivement. là-bas, il n'est pas anodin. Voilà, courant de voir une caméra tourner. C'est la capitale du cinéma africain, Ouagadougou. Ça, beaucoup de réalisateurs l'ont dit. Peut-être ça ne se sait pas, mais les plus primés, les plus grands réalisateurs, les plus grands films, beaucoup de films ont été tournés au Burkina. Les séries, etc. Donc, il paraît que là-bas, voir tourner en pleine ville, c'est monnaie courante. C'est pas pour Alors, te 5. couper, hein, mais Roger, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un festival. Comment est-ce qu'ils appelaient ce festival-là Le qui avait FESPACO, le FESPACO exactement? qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Ça Voilà. s'appelle FESPACO. Voilà. Je... Et Oui, vas-y. ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça a une envergure vraiment. Chaque fois International. que ça se passe, il y a toujours quelque chose qui bouge en moi parce que si on peut faire la relation avec le Togo, il y avait des jeunes qui avaient instauré ça, un truc qu'on faisait à Azam, le Festef, Festival de théâtre francophone, les troupes de Hans Masro, de Richard Crésus Lakpassa. Mais ce festival n'a pas pu continuer. Je me souviens, j'étais au collège à l'époque, mais j'allais quand même regarder. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, on n'a pas pu. Alors que depuis 83, et comment Sankara avait fait,
il avait instauré des semaines nationales de la culture. Et ça se déroulait à tour de rôle dans chaque ville du pays, ce qui permettait la construction de salles de spectacle et de structures touristiques. Et le Burkina a connu une forte augmentation du nombre de troupes. Donc, les César habituels, il a ajouté la peinture, la sculpture, bronzage, tout ça. Lui, traditionnel même, le cyclisme amateur, c'est un amateur de cyclisme lui-même, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Tour du Faso est en tout cas un des tours les plus connus d'Afrique. Et la télévision burkinabé offre aussi des programmes culturels variés à l'époque. Et c'était ça qui a vraiment lancé la culture burkinabé et tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec les affaires de Bobo Diouf et je ne sais pas, une fille qui est commissaire de police qu'on voit sur TV5 et tout. Et même, on a constaté qu'aujourd'hui, les Ivoiriens du genre, comment on les appelle? ma famille, Gohou, Go, voilà tout ma ça. famille, voilà Gohou, Bouiri, on les voit souvent maintenant avec des acteurs burkinabés. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Et il y a même, ils ont un de leurs monuments là-bas, à Ouaga, qui est le carrefour du Fespaco, qui est un monument fait sur des formes de bobines, de films, des choses comme ça, quoi. En quelques années, en fait, il a attaqué sur tous les fronts, si je comprends bien, et en quelques années, il a posé les bases de tout ça et de choses, en fait, et qui lui survivent, si je peux me permettre, après sa mort. Parce que moi, le Fespaco, c'est vrai, je m'en souviens très bien. On le montrait à chaque fois à la télé. Mes souvenirs d'enfance quand j'étais petite au Togo, C'est ça. et on montrait effectivement le Fespaco. On a montré aussi pas mal d'événements liés à la mode. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il y avait quand même pas mal de rencontres de mode. Moi, je me souviens de grands créateurs qui se sont retrouvés à Ouaga, etc. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Je vous laisse continuer, je ne vais pas monopoliser la parole. J'écoute, j'écoute. Alors, on voit donc que, après justement le théâtre populaire et le cinéma, qui sont les projets sankaristes, j'aimerais revenir un peu toujours sur la valorisation de notre culture. Parce que Sankara se rend compte, dans beaucoup de ses discours, que les Africains, par exemple, ils sortent lors d'une de ses sorties, voient des gens avec des t-shirts Nike, des trucs comme ça, des trucs toujours américains. C'est le cinéma hollywoodien qui est, voilà, au summum. Alors il décide donc de dire, mais pourquoi nous aussi, nous sommes capables de créer des films chez nous et des films qui sont bien réalisés, et, voilà, faits par nous, quoi, et les mettre en avant. Donc, toujours dans sa campagne de valorisation de son peuple et du peuple africain. Parce qu'il s'est rendu compte qu'on se dévalorise beaucoup, même sans rendre compte. Alors, Sankara disait que la volonté d'un changement ne suffit pas, mais il faut aussi les moyens. Alors, et aussi, c'était un leader qui était très proche du peuple. On se rend compte que beaucoup de leaders actuels qu'on a en Afrique sont très loin du peuple. Et on dit que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, tous les gens qui étaient à l'époque, qui avaient des Mercedes ou des voitures, des 5 voitures et tout, il a récupéré tout ça. Donc, mettre les fonctionnaires au même niveau. En Afrique, on se rend compte qu'il y a un grand écart entre les classes et que la classe moyenne a été phagocytée par la basse classe. Tout cela reflète le mauvais fonctionnement de notre peuple. On vit en France, on vit en Angleterre, où nous vivons, on voit qu'il existe une classe moyenne. Et on dit aussi que un endroit, un territoire où tout le monde ne marche pas à sa faim ne sera jamais en paix. C'est vrai. Alors voilà, il y aura toujours la guerre parce que les gens vont se battre pour avoir ce qu'ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ici, on se retrouve dans les sociétés industrialisées où tu vas très peu entendre qu'il y a une guerre. Parce que les gens, voilà, il y a une classe moyenne. Les gens, voilà, c'est des pays socialistes où on essaye de réduire les écarts. On essaye de réduire les écarts entre les populations. Alors qu'en Afrique, il n'existe plus quasiment de classe moyenne. C'est dangereux. Thomas Sankara arrive,
Il essaye de mettre tout le monde au même niveau. Il essaye d'être le dirigeant qui est proche du peuple. Parce que le fait d'être proche du peuple, de toucher du doigt les problèmes que vit le peuple, peut aider justement le peuple à se développer. Parce que nos dirigeants sont loin du peuple, ils sont dans leur château, dans leur grosse maison. Ils ne connaissent pas le prix du pain, par exemple, comme chez nous, ou bien les problèmes du peuple. Donc, Thomas Sankara, donc, pour terminer au niveau de sa vision d'une Afrique prospère, pour moi, ce que je dirais, c'était vraiment l'homme du peuple et un exemple pour nous de gouvernance de nos pays respectifs. Ok. Roger, tu avais quelque chose à dire pour cette première partie avant qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on accueille de nouveaux invités pour la prochaine partie. Tu restes avec nous, hein, c'est juste que le groupe va s'élargir un petit peu à la seconde partie. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, il y a un point essentiel, c'est que au niveau des relations internationales, Oui. il avait toujours moyen de partir avec les institutions de Bretton Ça, on va le voir. C'est vrai qu'il n'était pas très ami avec C'est ça. nos amis de la Banque mondiale et du FMI, nos Et du chers FMI. bailleurs de fonds. C'est ça. Oui. Bon, non, comme tu dis qu'on va y revenir, donc On ça va. va y revenir puisque Diane nous a préparé un petit extrait, un extrait Merci. d'anthologie. Qui ne connaît pas cet extrait du fameux discours à Addis Abeba sur la dette? Et on va parler là-dessus. Je pense qu'on va en parler sur la deuxième partie de l'émission. Le temps va vite. Là où on va rentrer aussi un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui, parce que c'est bien beau de dire que Sankara, c'était un homme intègre, qu'il a fait de bonnes choses, mais Sankara est parti et nous on est là. Et le but aussi de cette émission, c'est de connaître ces grands leaders du passé, mais aussi que tout ce qu'ils ont fait, que tout ce qu'ils ont préconisé ne soit pas lettre morte, que nous on puisse s'en inspirer, si je peux dire ça comme ça, pour bâtir l'avenir, quoi. D'accord, oui, tout à Donc fait. on verra, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis impatiente aussi de voir la deuxième partie, parce qu'aujourd'hui, même les économistes, les grands économistes, les grands intellectuels africains, on sent qu'il y a une division entre ceux qui sont pour ce côté d'utiliser la dette pour développer le continent et ceux qui sont un peu plus révolutionnaires. Donc on va voir ce que la partie nous réserve. S'il n'y a plus rien à ajouter, on va faire une petite pause musicale et on va revenir avec vous tout de suite après pour la suite de l'émission. D'accord. Yebo! Bissona Bisso, Espoir 2000, qui n'avance pas, recule. Y'a Folobo! Il faut avancer, oublie reculer, on n'est pas fatigué, l'invite à continuer. Il faut avancer, oublie reculer, on n'est pas fatigué, la vie doit continuer. Toi qui veux le changement, sache que le progrès c'est pour demain. On va pas ça au marché, on n'est jamais premier par hasard. N'attends pas d'être vieillard, dépêche-toi, sois plutôt vénard. Réveille par la bouche, il faut bouger. Ça qui est bon. Éteignez le bambou et lève-toi. Oubliez les peines que mettra